Oui, on m'entend. Merci Serge pour cette introduction qui nous met déjà dans la thématique de ma présentation aujourd'hui. Je vais aussi préciser pour toutes et pour tous qui sont ici aujourd'hui que je suis un peu la caution geek de la matinée, certainement. Et je vais chercher à vous parler de quantification, mesure et démesure dans une perspective qui est un peu différente par rapport à celle des autres, mais qui quand même s'inscrit dans la continuité de ce qu'on a dit jusque-là, parce qu'on a déjà évoqué à plusieurs reprises la question des big data. Et moi, je vais l'appréhender d'une manière un peu différente, en qualité de... oui, merci de fixer le dispositif au pupitre. Non, on ne peut pas. Je vais le garder avec ma main. C'est pour ça. Je disais, avec une perspective légèrement oblique par rapport aux autres interventions d'aujourd'hui et peut-être même à celle de demain, parce que je suis un sociologue des usages technologiques. Et en tant que tel, quand on me parle de mesure et de mesure, la pensée court très rapidement, du moins la mienne, vers une formule qu'on entend depuis longtemps sur... disons dans le milieu justement de ceux qui s'occupent de cela, qui est le quantified self. Le quantified self est un mouvement qui fait surface autour de 2007-2008 aux États-Unis et après partout dans le monde. Et il se résume à un univers de pratiques et surtout à un ensemble d'usages technologiques qui passe par exemple par des dispositifs tels ce que vous voyez là à l'écran. Il s'agit de bracelets connectés, de montres connectées et aussi tout simplement d'applications que vous pouvez télécharger sur votre smartphone et qui vous permettent de faire un traçage parfois très fin de toutes vos activités, de vos gestes et de vos pratiques au quotidien. Les domaines d'application sont divers et variés. Bon, on en a dans le sport, on en a dans la e-santé, dans la m-santé, c'est-à-dire la santé assistée par les technologies de l'information et de la communication mobile. Et là, vous voyez, j'ai choisi qui a été affreusement coupé d'ailleurs. Donc vous ne voyez strictement rien et je m'inquiète pour le reste de la présentation. Adrien, je me tourne vers vous pour pouvoir faire, merci, un calibrage de l'image. Voilà, merci. Je disais, ça arrive justement, c'est la technique. Donc d'applications dans des domaines divers et variés. Et les domaines qui m'intéressent et qui ont intéressé moi et mon équipe pendant des années concernent surtout l'application au sport, l'application surtout à l'exercice et aussi à la prise alimentaire. Parce que, avec mon équipe, on a étudié, par exemple, les pratiques alimentaires de personnes atteintes de troubles des conduites alimentaires. Voilà. Des troubles des conduites alimentaires, je disais, peu à peu, l'écran va afficher l'image que j'ai à l'esprit. Non, voilà. Et surtout pour les personnes anorexiques, ces dispositifs peuvent être particulièrement dérangeants et poser des enjeux qui sont complètement différents par rapport à ceux personnes qui ne sont pas des mangeurs pathologiques. On peut passer au slide suivant, merci. Et donc la même image de quelqu'un qui se sert de ces applications pour faire du sport et pour s'entraîner, pour quelqu'un qui est atteint d'un trouble alimentaire, peut devenir d'ailleurs une occasion pour s'enfoncer davantage dans ces troubles. D'ailleurs, et là pour en venir à la question de la quantification, on peut passer au slide suivant, en général, dans les troubles alimentaires, il y a des formes de quantification qui n'ont pas eu besoin d'attendre Internet pour se manifester. Ça, c'est en fait une œuvre d'art d'un artiste qui s'appelle Niels Dornander, qui a voulu faire un commentaire sur le type d'attente et le type aussi de projection que nous faisons à chaque fois que nous montons sur une balance comme celle-ci. Mais en même temps, voilà, pour sentir le poids de notre malheur, nous avons aussi besoin à la fin d'avoir un chiffre qui représente notre poids et d'ailleurs de tracer la progression de ce chiffre. Or, pour quelqu'un qui est atteint d'un trouble alimentaire, ceci peut devenir particulièrement troublant. Donc, par exemple,
On peut passer au slide suivant, merci. À un certain moment, on a vu apparaître sur Internet un phénomène qui n'a pas de lien avec le quantified self, mais vous allez voir un lien avec la mesure de mesure de soi, qu'on appelle le phénomène pro-ana. Certains d'entre vous, peut-être, en ont entendu parler, surtout parce qu'il y a eu dans la presse une véritable panique morale et plusieurs tentatives de censurer un ensemble de blogs, de forums de discussion, merci, de forums de discussion, qui, par exemple, sont présentés comme faisant l'apologie de l'anorexie. Or, bien sûr, on a été interpellé par ce type de, d'usage d'Internet, on a été surtout interpellé par la panique morale qui entourait ces usages, et à un certain moment, on a voulu mener une enquête qui, évidemment, si on se limite tout simplement à la surface du phénomène, et la surface souvent signifie tout simplement aller googler pour pro-ana et tomber évidemment sur des images qui sont particulièrement dérangeantes, de filles particulièrement amaigries, affaiblies, et ainsi de suite, mais si on va regarder un peu plus dans le détail, là on découvre que la situation est complètement différente et que la question de la mesure de la démesure se pose de manière différente. Par exemple, un blog anorexique ou un blog pro-ana peut rassembler à ça. Donc un blog qui n'a aucune différence substantielle par rapport à ceux d'autres filles et garçons du même âge, les mêmes codes couleurs, les mêmes manières de se mettre en scène, de se mettre en visibilité, la même utilisation de petits logos et de petites images tirées de l'univers de l'adolescence comme Hello Kitty. D'ailleurs, il y a quand même quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire que l'une de ces images ne rassemble pas aux autres. Il s'agit d'une petite fée que vous voyez à côté de la fille qui est représentée en photo, adroitement anonymisée. La fée Anna, donc c'est une sorte de personnification de l'anorexie. Et par cela, donc, il y a une manière d'établir une espèce de dialogue avec sa pathologie et donc une manière d'apprivoiser aussi sa condition. D'autres manières d'apprivoiser sa condition passent par exemple par la mise en place de sites web qui se présentent comme des universités d'Anna. Évidemment, pour les professionnels de la santé, c'est quelque chose d'extrêmement dérangeant, d'extrêmement conçu comme quelque chose d'extrêmement dangereux, parce que dans dans ces universités, on peut véritablement télécharger des modules et passer des examens pour voir quel est son niveau de connaissance des troubles alimentaires. Alors, encore une fois, si vous êtes dans un contexte clinique, ceci peut représenter un véritable danger, mais il ne faut pas oublier quand même que ces sites sont aussi des incroyables opportunités pour faire circuler de la littérature scientifique sur les troubles alimentaires. Il s'agit de personnes qui souvent sont les meilleurs et les plus grands lecteurs des articles écrits par nous, les chercheurs qui travaillons sur les troubles alimentaires. Et en même temps, la question se pose de que faire d'une circulation de savoir sans médiation. Et c'est ça, effectivement, la véritable question que vous allez avoir. D'autres sites rassemblent, par exemple, à cela. Donc, c'est un site dans lequel on a deux possibilités d'accès. La première s'appelle Teenspo, un mot qui peut-être à une oreille française ne signifie strictement rien. Et d'ailleurs, un mot barbare, même en anglais. Teenspo est en gros veut dire Teenspiration, c'est-à-dire inspiration à maigrir. Donc, il s'agit de se partager des images qui rassemblent, encore une fois, aux images que je vous ai montrées au début, rapidement, des images tirées d'applications de Quantified Self, des images dans lesquelles on se met en scène à différentes phases de la pathologie. Et évidemment, la question se pose de reconnaître s'il y a une valeur de témoignage de ces images, et donc d'une certaine manière que ces images puissent être considérées comme un symptôme de la pathologie qui s'exprime au sens qui se manifeste, se met en scène, ou alors si elles représentent aussi des manières pour se lancer des défis suicidaires à qui maigrit le plus rapidement possible, ou encore à déclencher des dynamiques de imitation. Deuxième onglet de ce site est un forum. Et là, on revient à la question de la quantification.
Parce que, par exemple, l'une des manières de se présenter sur ces forums passe par ce qu'on appelle la présentation de ses stats, c'est-à-dire ses statistiques. Une personne qui arrive pour la première fois sur un forum anorexique et boulimique, mais je vous rassure, ou alors je vous inquiète davantage, toute personne qui se présente normalement sur un forum de n'importe quel type, même des forums de joueurs de jeux vidéo ou de passionnés de séries télévisées, vont avoir une quelque forme de quantification de soi, de mise en chiffre de soi. Alors là, en l'occurrence, la mise en chiffre de soi passe par des statistiques, je traduis rapidement de l'anglais, donc la première c'est la taille, après il y a des sigles qui sont un peu obscurs, au début c'était un peu obscur, donc CW, LW, HW, GW, ça veut dire quoi? Ça veut dire current weight, c'est-à-dire mon poids aujourd'hui, low weight, le minimum que j'ai atteint, high weight, le maximum que j'ai atteint, et GW veut dire goal weight, mon objectif en termes de poids. Donc vous voyez, c'est une manière extrêmement rapide de présenter un espèce de portrait robot, ou alors de autoportrait robot, un utilisateur de ces sites-là, et la question devient rapidement, qu'est-ce qui se passe au moment où on commence à faire une comparaison entre ces métriques de soi, ces formes de mise en chiffre de soi. Ça, c'est une question qu'on s'est posée longuement à partir de 2009-2010 avec mon équipe, et c'est pourquoi nous avons mis en place un projet qui va vous paraître, surtout parce que je vais vous présenter quelque chose qui a une approche légèrement différente par rapport à celle des autres, qui va vous paraître extrêmement froid et quantifiant, mais de l'autre côté, vous allez voir que nous arrivons à la fin à raconter quelque chose de qualitativement extrêmement intéressant en passant par la quantification. Ce projet s'appelle Anamia. Anamia est en gros un mot qui veut dire anorexie, ana, et mia, boulimia, donc c'est la boulimie. Donc c'est pour prendre en compte un ensemble de troubles alimentaires. Et d'ailleurs, le rapport, vous le trouvez en ligne sur le site anamia.fr, il est disponible depuis l'année dernière, donc les jeunes et les web des troubles alimentaires. Et dans ce rapport, nous racontons comment nous y sommes pris. Nous avons présenté un questionnaire. Un questionnaire rassemble à un questionnaire standard que vous trouvez sur Internet, dans lequel on pose des questions relatives à son utilisation d'Internet, mais aussi à ses pratiques alimentaires, mais aussi évidemment à ses conditions de vie, famille, usage au quotidien et pratiques au quotidien. À certains moments, on a aussi posé un ensemble de questions. Là, c'est des figurines assez classiques pour présenter le niveau des troubles alimentaires, comment on se perçoit, comment on croit que les autres nous perçoivent et comment on voudrait être. Et sur la base de ça, on a aussi introduit des comparaisons possibles avec quelque chose qui rappelle plutôt un sous-domaine de la sociologie qu'on appelle la sociométrie, qui est aussi donc une forme d'analyse des réseaux sociaux. En gros, on a invité ces personnes, grâce à une appliquette que nous avons inventée, à décrire une espèce de cartographie de leur vie relationnelle. Donc on les a invités à dire, voilà, cette cible représente votre milieu social, au centre c'est vous, on l'appelle un réseau égocentré, au centre c'est vous, et vous allez créer, en cliquant sur des boutons, des individus, donc chaque point bleu représente un individu, vous pouvez donner un nom, vous pouvez dire c'est un membre de votre famille, ou alors un collègue, ou quelqu'un que vous avez rencontré à l'école, établir des liens entre ces personnes si elles se connaissent, ou alors les inclure dans des cercles sociaux si, par exemple, ils sont de la même école, de la même ville, et ainsi de suite. Et nous avons répété cet exercice autant pour la vie hors ligne, c'est-à-dire en présentiel, la vie de tous les jours, que pour la vie en ligne, c'est-à-dire les personnes avec qui on échange sur Internet, par mail, sur Facebook, et ainsi de suite. Les résultats sont assez spéciaux, surtout parce qu'ils nous permettent de voir, et là on reste encore dans la quantification particulièrement poussée, ils nous permettent de voir qu'il y a des profils qui se dégagent et que le réseau personnel, donc le petit réseau égocentré de chaque personne diffère de celui des autres, surtout après si on le met en résonance avec les métriques des troubles alimentaires que nous avons fait, c'est-à-dire comment ils se perçoivent, quelle est leur image du corps, quelle est leur image de soi. Par exemple, là vous voyez six exemples de réseaux égocentrés qui sont fort différents. D'abord, voilà, évidemment, l'œil est attiré par la quantité même de personnes qui sont présentes dans ces cercles sociaux.
ou alors même leur disposition. Par exemple, le tout premier que vous voyez en haut, c'est quelqu'un qui a une tendance à tout ranger dans des cercles qui sont d'ailleurs relativement éloignés de lui. Mais si vous descendez en bas, le deuxième, dans la deuxième rangée, là vous voyez que c'est quelqu'un qui a rangé tous ses contacts, une espèce de couronne extérieure, et donc d'ailleurs chaque cercle représente un niveau de éloignement de soi, donc moins de proximité émotionnelle. On pourrait d'ailleurs déjà commencer à formuler tout un ensemble d'hypothèses qu'après on a pu tester en allant interviewer ces personnes. Donc ces hypothèses relèvent non seulement du type de relation qu'ils ont aux autres et du type de gestion de leur sociabilité, aussi sur Internet et par le biais d'Internet, mais aussi le fait d'avoir des espèces de style et de signature personnelle dans leur vie relationnelle. Par exemple, cette deuxième personne, la dernière que je vous ai citée, celle qui a disposé tout le monde en couronne, vous pouvez l'imaginer comme quelqu'un de moins socialisé, pour ainsi dire, si on pouvait avoir une métrique si simple de la socialisation, que le premier. Mais en fait, il s'agit de quelqu'un qui est, on l'appelle sur Internet, un conversationist, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est prêt toujours à échanger avec beaucoup de monde et à répondre à beaucoup de questions. Donc, si vous vous imaginez le rôle que cette personne peut avoir dans une communauté pro-ANA, vous vous rendez compte que peut-être cette personne-là, malgré elle semble peut-être extrêmement isolée des autres, elle est en fait très probablement un influenceur, c'est-à-dire quelqu'un qui a une véritable voix reconnue dans cette communauté. Et pour vous montrer rapidement comment nous faisons après pour raconter des histoires à partir de cela, cette courte animation vous montre ce que nous faisons après avec toutes ces données. Ces données, par exemple, sont réorganisées dans des visualisations comme celle-ci. C'est, par exemple, ça c'est encore une fois un réseau personnel d'un utilisateur, et ce réseau personnel, vous voyez, pousser peu à peu toutes les contacts et toutes les personnes qui font partie de la vie de cet individu. Les personnes qui sont marquées en vert sont un peu plus proches, les personnes qui sont marquées en bleu sont des personnes un peu plus éloignées, certains sont connectés entre eux, certains sont dans des cercles qui sont représentés en rouge, mais surtout vous avez des cercles vides et des cercles plans. Les cercles vides, c'est des personnes avec qui on interagit exclusivement en face à face. Les cercles pleins, c'est des personnes qui sont des contacts sur Internet, et vous l'avez deviné déjà, un cercle plein dans un cercle vide veut dire qu'il s'agit d'un contact qu'on appelle multiplex, c'est-à-dire un contact d'une personne qui est en même temps en ligne et hors ligne. Qu'est-ce qui se passe si on a une crise de santé, c'est-à-dire par exemple on fait une crise de boulimie? La première tendance est à éloigner tout le monde. Mais la deuxième tendance, et ça c'est plus rassurant, c'est de rapprocher de soi un nombre limité de contacts. Ces contacts-là représentent un réseau de soutien. Et ce réseau de soutien est effectivement ce qui nous intéresse d'étudier. Ce réseau de soutien, ce petit comité de personnes, souvent, c'est des personnes qu'on rencontre autant en ligne qu'hors ligne. Donc, il ne s'agit pas de dire que Internet soit plus ou moins dangereux pour ces personnes-là. Ces personnes-là, parfois, c'est-à-dire les anorexiques, sont capables de trouver du soutien autant dans la vie de tous les jours que sur Internet. Et justement, c'est sur ce type de sélection qu'on se concentre pour voir si et dans quelle mesure ces communautés sont aussi des communautés de soutien. Donc rapidement, parce que le temps en partie est déjà écoulé, je vous présente les quelques résultats. Voilà. Certains des résultats de notre recherche. Par exemple, le premier est que j'ai pas le temps de rentrer dans le détail, mais la censure de ces communautés est vraiment extrêmement efficace. Là, on a d'autres données pour nous montrer, mais surtout la donnée la plus simple, qui est depuis 2008, on cherche désespérément à les censurer, et ces communautés ont tendance à se régénérer, à devenir de plus en plus impénétrables pour les chercheurs et les médecins qui voudraient aider les individus anorexiques et boulimiques, et surtout que les communautés web sont aussi une source de soutien dans lesquelles on n'exclut pas l'intermédiation médicale. Au contraire, on fait ce que certains appellent de la apomédiation médicale. De la apomédiation qui consiste à dire, bon, c'est un mot barbare même en grec, voilà, veut dire à médiation à distance. Donc le médecin est présent,
mais il est mis un peu dans la distance et attiré à soi seulement quand il y a un phénomène de crise de santé. Donc ce que vous avez vu dans la petite animation, au moment où on a une crise, on éloigne tout le monde et après on rapproche de soi certaines personnes et certaines de ces personnes, d'ailleurs les plus importantes, sont souvent des professionnels de la santé qui vont finalement aider ces individus à s'en sortir. Je vous remercie.